Les petits copains manquent, Belle trompée par Bastos. Elle lui adresse un message explicite. Belle a lancé un nouveau tacle à Bastos. Et elle ne se cache pas. On vous raconte tout dans cet article. Alors que dans la bataille des clans, Belle et Bastos ont eu un vrai coup de foudre, les choses ont changé depuis cette aventure. Pourtant, tout allait pour le mieux après qu'ils aient quitté le tournage. Mais dernièrement, il y a eu quelques tensions dans leur couple. Et ce qui a provoqué leur rupture, c'est une vidéo YouTube de Bastos où on peut le voir envoyer un message à Victoria. Belle a balancé, la vidéo c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était pas seulement à cause de la vidéo. Lui et moi on sait très bien pourquoi on en est arrivé ici. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je l'ai bloqué parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Je ne cracherai jamais sur lui. Ça me fait un peu de peine de voir qu'il crache un peu sur moi sur ses lives. C'est la vie, je sais que j'ai donné le meilleur de moi. Il avait des doutes, j'ai tout mis au qu'on peut passer à autre chose. Sur Instagram, Belle a également déclaré, j'ai bloqué Bastos partout mais je suis allée voir son live Twitch. Parce que je savais qu'il allait y avoir quelque chose pour décrédibiliser le fait que la vidéo ne soit pas du tout passée pour moi. L'excuse c'était que je parlais d'Alan au début de la relation, qu'il n'a jamais rien dit. Mais Bastos est dans ce milieu depuis plus longtemps que moi. Il sait très bien que quand il y a une diffusion, on essaye un minimum de parler. Et quand j'ai parlé de mon ex, et pas à mon ex, c'était pour défendre ma nouvelle relation. Belle tacle Bastos, contre toute attente sur le réseau social, la jolie brésilienne a publié des photos de ses vacances d'été qu'elle a passées avec Bastos. D'ailleurs, il apparaît sur deux photos. On aurait alors pu croire que Belle faisait un appel du pied à Bastos, mais absolument pas. Il se trouve qu'elle vient tout juste de publier un nouveau cliché sur Instagram et cette fois-ci, elle lance un tacle à Bastos. Elle porte un t-shirt où l'on peut lire « Les petits copains mentent tout le temps ». Présage, coïncidence ou léger foutage de gueule. Pour le moment, Bastos n'a pas réagi.